chez Biologique Recherche, chez Pauline, ma coiffeuse préférée, et on va tester le lissage brésilien. C'est parti, suivez-moi. Bonjour Pauline. Bonjour Capucine. Alors vas-y, explique-moi ce que tu vas me faire aujourd'hui. Donc, on va pratiquer le lissage brésilien. Donc, en gros, c'est on injecte de la kératine au plus profond du cheveu. On va faire un shampoing, ce qu'on appelle un shampoing deep clean. On enlève tous les résidus de silicone, de sérum, de pollution. On sèche naturel et après on applique la kératine. Ok. On insère la kératine avec la porte de chaleur. Donc on va faire un brushing très raide, très chaud et après on passe les plaques. Ok. Et la kératine est fixée. Donc le seul inconvénient c'est que pendant 48 heures tu ne laves pas les cheveux, tu ne les attaches pas. Est-ce que je vais être poisseuse? Un petit peu. Voilà. Il ne faut rien prévoir ce soir ou demain soir. Pas de date ce soir. Rien. Ok. Et après, tu procèdes au shampoing et à le shampoing de la marque du lissage que je vais te donner. Et tu auras les cheveux lisses, soyeux, une chevelure de rêve. Ok. Et ça dure combien de temps tout ce procédé? 3 heures. Ok, bah, voilà. C'est parti. On va pas prendre les 3 heures, mais les bonnes étapes. On va monter. C'est parti. Alors, on va chez Partouchou. Allez, je passe au pas. Voilà. Voilà les cheveux au naturel. Sans lissage brésilien. Tu peux te tourner s'il te plaît pour qu'on puisse voir. Oh oui. Ah voilà. C'est beau. Donc là on a juste fait un shampoing sans crème, sans rien, c'est naturel. Ah je zoome. Ah c'est. Ah. Merci. C'est beau. Non mais c'est. Maintenant on va faire du lissage brésilien, histoire que ça ressemble plus à ça quand on sèche les cheveux après. Non, tu ressens pas à grand chose. Bon. Merci. Donc je partage la chevelure en 4. Ok. La crinière, ouais. La crinière. La crinière, merci. Capucine n'a pas qu'un cheveu, donc je tiens à préciser. Ah non. J'ai des cheveux incoiffables. Pourquoi 4? Pourquoi tu fais 4? Parce que c'est comme ça, c'est tout. Oh là là. Comment c'est pas? Comment c'est pas? Vous avez plein de questions. Mais c'est une manière horizontale, hein. Il est joli trait. De derrière, c'est ravissant. Ah, de devant aussi. Hein. Ah ouais. Ce sera pour je le making-of, ça. J'ai jamais eu autant. Mais là, j'ai l'impression qu'on part pour le clip de Together Again de Janet Jackson. En fait. Faut élever l'excédent, c'est ça. Faut laisser pile. En fait, il faut bien répartir. Faut pas trop en mettre parce que sinon, après, c'est l'enfer pour lisser. Hein? Parce que sinon, le cheveu, du coup, est vraiment, vraiment, vraiment collant. Donc, il faut mettre la bonne quantité. Juste pour que ça s'imprègne. Voilà. Et bien répartir. Bien insister sur les pointes parce que c'est quand même là que c'est le plus entamé. Oui, puis c'est ce qui parfois là où s'il y a les pointes, c'est là où ça fourche le plus ouais. En premier. Mais alors Pauline, la kératine, qu'est-ce que ça va apporter aux cheveux? Donc ça va l'assouplir. Donc tu auras toujours besoin de faire un brushing, mais beaucoup moins. C'est-à-dire que ce ne sera plus 3 quarts d'heure de brushing, ce sera 10 minutes. Ouais. Tu auras juste à sécher ton cheveu comme ça et passer un truc plat qui sera beaucoup plus lisse. Donc j'aurai plus cette touffe. Non, il n'y a plus du tout l'aspect mousseux, ni frisoté. Donc tu es bien d'accord que le lissage brésilien, c'est pas un lissage baguette? Pas du tout. Voilà. Non, non, non. En fait, c'est surtout un soin avant d'être un lissage. Comme on surcharge le cheveu de kératine, il se détend. Mais après, c'est pas du tout. On n'a pas de quelque chose de raide. Pour ça, il faut faire un lissage japonais. Mais. On ne soigne pas le cheveu avec un lissage japonais, au contraire, on l'abîme. Et alors, donc, par exemple, cet été, à la plage, alors, est-ce que je peux laisser mes cheveux sécher comme ça? Enfin, bon, mais je les rince, de toute façon. Donc, il ne faut pas garder le chlore ou le sel sur ses cheveux, ça endommage la kératine. Tu peux le faire, mais ton lissage, il tiendra beaucoup moins longtemps. Normalement, la kératine, elle va rester à peu près 3 mois sur tes cheveux, et puis au bout de 3 mois, ça va partir. Si tu gardes le chlore ou le sel, de toute façon, ça partira beaucoup plus vite. D'accord. Donc, ce qu'il faut, c'est le mieux, c'est de mettre une huile spéciale, genre huile de palme, de l'olive grain, okay. Qui est la meilleure pour aller au soleil, et se baigner, rincer ses cheveux. Voilà. Ok. Et quand ils sècheront, je n'aurai plus. Non. C'est fini l'aspect crinière de lion. C'est la dernière fois qu'on me voit comme ça. Avant 3 mois. Voilà, et au bout de 3 mois, d'un coup, ça va revenir. Là maintenant, on a fini d'appliquer partout. On va attendre une petite demi-heure. D'accord. Et on commence le brushing après dans une demi-heure. Voilà. Alors. Tiens, Pauline, tu peux juste le dire
nous parler un peu de cette histoire de formol, parce que le formol est interdit en France pour... Alors, en fait, il y a plein de... On peut acheter plein de produits de lissage brésilien sur Internet. C'est hyper facile de s'en procurer. Le seul truc, c'est que ça contient du formol. En France, on n'a pas le droit de se servir de formol. C'est hyper toxique. Donc, il faut pas... Enfin, c'est interdit. On n'a pas le droit d'utiliser ces produits dans un salon de coiffure. Donc, il faut se méfier. Après, toi, si demain, tu veux faire ton lissage brésilien, il n'y a pas de problème. Tu le fais chez toi. Mais c'est vraiment déconseillé. C'est hyper toxique. D'accord. Voilà. Donc, c'est interdit. Donc, il vaut mieux venir le faire chez toi. Il faut venir ici. On est bien, en plus. On est bien et on rigole bien. Donc là, c'est terminé. Voilà, là, ça y est. Donc t'as mis, ça fait un brushing. Donc un vrai brushing bien raide. On a mis du temps. On a bien fait rentrer la kératine dans le cheveu. Et là, maintenant, il va falloir patienter 48 heures et faire le shampoing en 48 heures.